Moi, juge Carnavalo, j'ai été désigné pour conduire ton procès, uniquement à charge. Je ne compte plus le nombre d'enfants dénoncés qui sont venus se plaindre et accuser. Et pas accuser. Et le public, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Silence, ou je vais évacuer le Carnaval Park. Les enfants de petite et moyenne section m'ont dit qu'ils ont attrapé la Carnarino et qu'après, ils ont chanté comme des canavards. Oui, messieurs, dames, comme des canavards. Et à cause de ça, enfin, il a plu à Hénonville pendant 8 heures, 37 minutes et 15 secondes. Qu'en pense le Carnaboumal? Silence, où je fais évacuer le carnaval, les robinets dans les jardins et fais éclater les tuyaux. Bonhomme carnaval, qui chasse les petits oiseaux de nos jardins? Bonhomme carnaval, qui raccourcit les jours et allonge les nuits? Bonhomme carnaval, qui fait tomber les feuilles des arbres? Bonhomme carnaval,
Qui met du verglas dans la rue Bamberger pour empêcher la voiture de monter? Le carnaval. C'en est trop, mon bonhomme. Même une fermière est venue se plaindre à la barre. Comme tu avais affamé le renard du bois voisin, celui-ci est venu voler toutes ses poules dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier. Elles ont toutes disparues. Il ne restait que les plumes. Voilà ce qui restait de la poule. Monsieur le maire, en personne, est venu déposer. Parce que tu as fait dépenser une fortune, oui, une fortune à la commune, pour acheter du sel de déneigement. Qu'en pense le carnaval? Bonhomme carnaval, pour toutes ces mauvaises actions, nous te condamnons à disparaître pendant la belle saison. Oui, j'ai bien dit, personne ne devra plus du tout se voir pendant toute la belle saison. Mais avant de disparaître, tu dois nous redonner de la lumière. Prépare-toi, fais chauffer tes instruments. Tu dois nous redonner de la lumière, de la chaleur et surtout de l'espoir. Que le bourreau te transforme en flamme. Bourreau, s'il te plaît, il est temps de faire ton travail. Je chante à la radio.